Suite de nos tests concernant la tablette notebook HP Envy X2. Donc là, on va vous parler de la partie multimédia, comme à notre habitude. Donc pour parler de cette partie multimédia, on a au préalable, comme d'habitude ici, inséré une petite carte micro SD avec tous nos fichiers. Et donc, hop, je le remets dedans, voilà, ça repasse droit. Et donc, on va vous parler de tout ce qui est audio, vidéo, surf sur le web, e-book sur la HP Envy X2. Alors déjà, au préalable, je vais vous faire voir, parce que je vais aller sur le bureau pour vous faire voir. J'ai directement là tous les fichiers. Donc, alors le seul problème de Windows 8, c'est, ça on vous l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas très intuitif pour aller récupérer ces données. Donc là, j'ouvre ma carte SD directement dans la tablette. Je vais dans, par exemple, musique, ici. Et là, je vais, par exemple, lancer... Alors, un album qui cartonne en ce moment, évidemment. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué à prendre en main. Et là, je sélectionne celui-là. Et je fais ouvrir ici. Et donc, ça va me lancer. Je vais augmenter le son. Donc là, on est au max. Ça ne sature pas, ça c'est la bonne surprise. C'est assez clair, le son est assez clair. Seul problème, évidemment, on est sur tablette. Donc on a une restitution des basses un petit peu faible. Mais bon, pour le coup, le son est vraiment pas trop mal. Vous voyez, ça c'est l'interface de la musique, de la lecture musique en application sur Windows 8. Par exemple, si je mets le tube, je peux avancer comme ceci, vous voyez. Je peux le mettre en full width comme ça. Si je reviens comme ça, j'arrive sur l'application Xbox Music. Alors, je vais baisser un petit peu. Vous voyez, pour le coup, le son est pas trop mal, c'est pas trop mal réussi. Même si on se méfie un petit peu de tout ce qui est brandé, on va dire, Beats Audio, parce qu'on a été assez souvent déçus. Mais pour le coup, le son est vraiment pas mal et l'intégration avec Xbox Music se fait plutôt correctement, vous voyez. Le son est vraiment bien. Autre avantage, les speakers se retrouvent juste ici en bas. Donc on pourrait avoir peur lorsque l'on connecte directement comme ceci à la tablette, au dock. Et vous voyez, le son est toujours aussi bon. Donc si je monte. Je vais retirer. Et même quand on le tient comme ça, c'est plutôt pas mal fait, quoi. Alors je vais retourner là-dessus et arrêter la musique. Voilà. Donc la partie musique est pour le coup plutôt agréable. On a été assez surpris sur cette partie-là. Alors je vais vous faire voir après la partie vidéo parce que j'avais lancé un film tout à l'heure. Alors malheureusement il ne l'a pas pris en compte. Je vais le relancer en revenant en arrière. Alors si je retourne... Voilà, comme ceci. Donc on va dans film. Et là, je vais vous lancer par exemple l'âge de glace. Donc il y a juste à double-cliquer. Et là, ça démarre automatiquement. Alors on va avancer un petit peu. Hop. Je vais monter le son pour voir. Qualité d'image excellente. On n'a aucun problème là-dessus. Tout est bien vu. Vous voyez, là, c'est un film d'animation, donc l'âge de glace 4, et vraiment, le rendu est vraiment de très très bonne qualité. Même si on a une résolution un petit peu faible de 1366 par 768, on n'a pas une énorme résolution comme des tablettes comme la Xperia Tablet Z qui est à 1900 par 1080. Mais vraiment, la qualité est très très bonne. On peut avancer, on va voir, est-ce que ça lag? Non, vous voyez, ça passe parfaitement. La qualité d'image est très bonne et la qualité d'écran est surtout excellente. C'est un écran IPS+, qui vous permet un angle de vision assez impressionnant.
Et c'est vraiment génial quand on veut regarder des vidéos à plusieurs, c'est vraiment très très bien fait à ce niveau-là. Vous voyez, la qualité est toujours très très bonne. Donc je peux mettre sur pause, revenir sur la home, c'est vraiment très bien fait. Et tout est intégré évidemment dans l'application Xbox Vidéo que vous pouvez connecter avec votre compte directement pour acheter ou regarder des vidéos en streaming sur la sorte de marketplace de Windows. Donc on va revenir sur la home comme ceci. Voilà. Je retourne sur le bureau. Là, je voulais vous faire voir la lecture des e-books. Parce que e-book, alors pour le coup, les formats e-pub ne sont pas lus en natif sur cette tablette. Il faut télécharger une petite application gratuite sur le Windows Store, mais ils peuvent être lus. Par contre, moi, ce que je voulais vous faire voir, c'était tout ce qui était PDF. Et là, vraiment, si vous êtes utilisateur Android, vous allez vous rendre compte que là, c'est vraiment beaucoup mieux. Alors, donc, j'ouvre là, vous voyez, ça se fait assez rapidement le chargement. Donc là, c'est un journal, enfin un magazine qui est au format PDF. Et vous voyez, en termes de rapidité, il n'y a pas du tout de temps d'attente, contrairement à... Vous voyez, quand je zoome, la mise au point se fait assez rapidement. On peut voir toutes les pages comme ceci, cliquer dessus là directement, faire des zooms comme ceci, ça marche vraiment bien. Et alors pour les utilisateurs Android, même avec une tablette Android surboostée, généralement la lecture du PDF, toujours un petit peu plus galère à s'ouvrir, ça lag un petit peu, ça peut faire planter parfois la tablette. Là vous voyez, c'est vraiment nickel. De ce point de vue, vraiment, on sent vraiment qu'il y a eu un réel effort de la part d'HP et de Microsoft de nous proposer des produits qui lisent très très bien tous les formats natifs sur PC, c'est-à-dire du PDF, du PowerPoint, du Excel, tout ça, vraiment pour la bureautique, c'est une tablette qui fait vraiment largement le taf, quoi. C'est vraiment très très bien à ce niveau-là. Alors, si je reviens sur la home, je retourne ici, je vais lancer Internet pour vous faire voir. Alors, j'utilise moi Chrome, par goût, je préfère. Donc, on va lancer le site que vous connaissez tous. Entrée. Et alors là, pour le coup, moi je considère qu'il y a vraiment un petit souci. Bon, là ça s'affiche rapidement parce que la page avait été déjà loadée une première fois. Mais je trouve que c'est assez lent à charger. Ça, et là, c'est là où on se rend compte des limites du processeur Atom cadencé à 1,6. C'est assez lent quand même à charger. Vous voyez, si je vais sur un article. Bon, là, ça s'affiche, mais c'est, vous voyez, le temps de descente, c'est pas très réactif. Ça met un peu de temps quand même. C'est vraiment le seul reproche à ce parti-là, c'est que vraiment, il y a quand même des lags qui sont pas... C'est pas normal sur une tablette comme ça, vous voyez. Là, je viens de lancer Le Monde. Vous voyez, ça rame un petit peu quand même. Vous voyez, pour tout afficher, c'est un peu lent. Même pour descendre, c'est pas hyper réactif. Vous voyez là, j'ai beau descendre, ça met un petit peu de temps, c'est vraiment le seul problème. Alors par exemple, je vais sur un article, donc là ça se load, mais vous voyez, il y a toujours un petit temps de latence, et voilà, vous voyez, j'ai beau remonter comme ceci, parfois le tactile réagit assez mal, quoi, je trouve. Pour une tablette comme celle-ci, c'est pas normal, quoi, je trouve. Vous voyez, on peut zoomer, on peut même pas zoomer, vous voyez. Et si je le passe en portrait comme ceci, là par contre, ça se met correctement. Ça, c'est un des avantages de Windows 8, ça se fait... très très bien de ce côté-là, mais vous voyez, c'est pas génial. Alors, autre petit souci, et ça c'est plus une question d'ergonomie, c'est qu'à tenir une tablette qui fait quasiment 800 grammes à bout de bras, je peux vous dire, c'est quand même quelque chose d'assez assez fatigant et assez usant. Et pour ça, on préférera quand même des tablettes beaucoup plus légères, parce que pratiquement un kilo à tenir à bout de bras, comme ça, à la longue, ça peut être un petit peu problématique comme ça. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. On va retourner sur le market. Donc là, pour vous faire voir aussi les petites applications qui sont intégrées sur la tablette. Donc c'est toutes les applications Windows 8. Donc, par exemple, là, ça c'est un truc qui est pas mal, que nous on apprécie. C'est Bing Actualité, qui prend pour source plusieurs sources de journaux comme Le Monde, Le Parisien ou même l'agence Reuters. Et ça c'est pas mal, vous voyez. Il y a juste à cliquer sur l'article, ça se charge. Et ça vous fait votre petit journal personnalisé, qui est vraiment bien fait pour le coup. Ça, c'est vraiment sympa, c'est des petites applis Windows 8, très très pratiques. On va revenir sur la home. Je voulais vous faire voir également, donc vous voyez,
Les lectures de tout à l'heure se retrouvent ici. Par exemple, Daft Punk, là, qu'on a écouté tout à l'heure, vous l'avez là. Si vous voulez le lancer, juste appuyez là. Pareil pour la vidéo, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, après, il y a toutes les applications que je vous invite à découvrir si vous avez Windows 8. Une petite appli qui est vraiment géniale, qui a été faite par Windows, c'est Fresh Paint. Donc, on la voit sur la fameuse pub pour les produits Windows 8. Et par exemple, on lance un truc qu'on a fait tout à l'heure. Si ça veut bien se lancer, voilà. Je vais dessus. Et ça, c'est vraiment une appli qui est vraiment sympa. Voilà, je repars dessus. Alors, vous voyez, c'est quand même assez réactif. Je suis assez surpris. C'est digne d'un Galaxy Note 8, hein, on va dire, en termes de réactivité. C'est pas mal pour ça. Mais alors, étrangement, je vous dis, quand on est en navigation web, on n'a pas une réactivité aussi, aussi impressionnante. C'est le seul truc un petit peu dommage. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie petite appli à vous faire voir. Et autrement, on a toujours la barre ici, classique, où vous pouvez retrouver vos paramètres d'un seul coup, juste là. Et également la possibilité également de changer directement, là, de remettre tout ce que vous aviez ouvert auparavant, comme ceci, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout concernant la partie multimédia de la tablette HP Envy X2.